Bonjour à toutes et à toutes, c'est la Coupe du Monde 1994 sur PES 2013 PlayStation 3 avec le patch spécial que j'ai créé, le patch 70 to 98. L'entrée en lice de la Belgique face au Maroc dans le groupe F, les Belges favoris du groupe avec la Hollande. Y aura-t-il la place pour les Marocains ou les Saoudiens pour se qualifier? On va déjà avoir une petite réponse aujourd'hui avec une équipe belge à l'attaque. Et attention, un ballon là qui va aller devant le but et l'ouverture du score pour la Belgique dans une défense marocaine un petit peu attentiste et Luc Ninis qui ouvre la marque. Les Belges, maillot blanc aujourd'hui pour ce premier match de ce groupe F. Azmi est trop court et c'est Luc Ninis qui perfore la défense. 1-0 pour la Belgique, ça démarre bien. Daoudi. Daoudi pour Mohamed Chaouch, il est pas en jeu, il a regardé l'arbitre Mohamed Chaouch, le tir croisé, c'est but. Un but partout, le Maroc ne tergiverse pas et égalise par Mohamed Chaouch, joueur qu'on connaît bien en France, puisqu'il évolue dans le championnat première division. Mohamed Chaouch, il est pas en jeu, les limites. Erreur des Belges qui se sont mal alignés et Prodom est battu, un partout. 27 minutes de jeu. Attention, le ballon sur le côté pour Smith. Cody Smith, le défenseur qui peut centrer où Azmi était battu. Weber ne pourra pas récupérer. Corner à suivre. Enzo Schifo, la tête. Azmi, ça passe à côté. Mustapha Ladawi. Hadji, Mustapha Hadji. Hadji pour Chaouch. La position de frappe, c'est au-dessus. Équilibré plus qu'on l'aurait imaginé. Sur la récupération ici à Daoui. Un ballon pour Hadji. Hadji la frappe bien captée par Michel Prodom. Ce sont les Marocains les plus entreprenants. Ils prennent confiance. Encore Hadji. Mustapha Hadji repique. Ballon en retrait. Chaouch, c'est un petit peu contré. Ça sera un corner. Un partout à la pause. Bon démarrage de la Belgique. Mais qui après a laissé les Marocains reprendre l'épaule de la bête. Attention, Samadi. Mohamed Samadi, le centre de Samadi, c'est cafouillé. Attention, la frappe contrée, la reprise de Nader et le but. 2-1 pour les Marocains qui passent devant sur ce ballon mal dégagé par la défense belge. Le Maroc prend l'avantage dans ce match. C'est la surprise. Le travail sur l'aile de Samadi. Prodom, cafouillage, le ballon qui revient. Contré et derrière, c'est un petit peu le billard. Et Hassan Nader qui marque 2-1 pour le Maroc. Azouzi. Bon, ballon encore pour Nader. Nader qui va aller défier Michel Prodom. C'est le poteau. Attention, Hadji derrière. La frappe, petit filet. Donc Ivan Derelst qui vient chipper un ballon là en retrait pour Enzo Schifo. Il tente sa chance, la frappe et Rally Lazmi qui se détend. La Belgique est menée. Ça serait une surprise, hein, une défaite des Belges pour ce premier match. Et attention, c'est pas fini. Marc De Grise qui tente sa chance. Et encore Azmi qui se détend. Gros match du portier marocain. Michel De Wolf, 85e minute de jeu. Centre cordon, la tête, c'est au-dessus. L'ancien Alex Zelensky, 88e. Azouzi, Daoudi, le centre, attention, une tête juste à côté. 90e minute de jeu, c'est la dernière offensive pour Lorenzo Stellens qui tente sa chance, Azmi qui repousse, Stellens encore, Marc De Grise, dernière opportunité pour la Belgique pour égaliser, en retrait, le centre, c'est capté pour Ali Azmi, qui va pouvoir dégager, et l'arbitre qui regarde son chronomètre et qui siffle. Et voilà, défaite de la Belgique dans ce groupe F.
Et nous voici dans le groupe E, avec la Norvège qui affronte le Mexique, l'entrée en lice de ces deux équipes. Groupe dans lequel l'Italie s'est imposée lors du premier match, c'était face à l'Irlande 2-0. L'Italie a pris la tête. Et voilà le Mexique et la Norvège qui espèrent bien également s'imposer, prendre les 3 points. Et ce sont les Mexicains les plus expérimentés qui se montrent les plus audacieux avec Garcia Aspe qui a été contré. Le Mexique qui a la maîtrise du ballon face à des Norvégiens qui découvrent du monde. Un bon centre là, une tête et la parade d'Erik Tørsvedt, magnifique, le portier de Tottenham. Corner à suivre. Ballon qui est repoussé. Ça va être une touche pour Bernal. Espinosa pour Luis Garcia et l'ouverture du score pour les Aztèques. 1-0, Luis Garcia Postigo. Le numéro 10 mexicain qui trompe la vigilance d'Erik Tørsvedt sur cette touche. Et il n'y a pas de hors-jeu forcément. Luis Garcia, premier poteau, 1-0, le Mexique est devant. Toujours les Mexicains, encore Luis Garcia, la frappe et la parade de Tørsvedt. Il est en forme le portier norvégien, une réaction peut-être des Scandinaves avec une tête, mais c'est au-dessus de Lars Boinen. Allez, un long ballon, une récupération Mikland, il y a de l'espace là pour Mini Jacobsen, le joueur de Rosenborg, Jacobsen dans la surface, Jacobsen, on s'est contré par Campos, c'est dégagé. Luis Garcia contré, Mikland, il récupère des ballons, qui gratte des ballons, Mikland qui rentre dans la surface, Mikland, la parade de Campos, c'est dégagé, c'est contré, c'est un but norvégien pour l'égalisation. Alors Lars Boinen fait sa salutation au public, est-ce que c'est lui qui a marqué ou est-ce que c'est un CC, on va le voir en ralenti car c'est un peu confus. En tout cas, il y a un ballon. Mikland a une frappe, Campos qui détourne et là c'est, on dirait un autogol, on va peut-être mieux le voir ici, le dégagement dans Campos, et oui de la tête, et oui c'est Boinen, coup de billard, un partout, en tout cas les Norvégiens égalisent, pas mal pour eux, attention, Espinosa la frappe et encore d'une main la magnifique parade de Tørsvedt, un partout à la pause. Garcia Aspe au coup. Oh, parade encore de Tørsvedt, c'est dégagé. Dans l'ensemble, ce sont les Mexicains qui dominent techniquement ce match. Mais attention, les Norvégiens avec leur jeu. Rapide, direct. Regardez, Leonardsen là, qui aurait pu donner l'avantage. On arrive à l'heure de jeu. Espinosa pour Valdez, la frappe dans les bras de Tørsvedt. Beaucoup de travail de portier norvégien aujourd'hui. Boinen, il est pas en jeu. Furtoft qui va les défier Campos. Oh, le poteau qui sauve le gardien du Mexique. Avec sa tenue colorée, on ne peut pas le rater. Mikland qui tente sa chance, la frappe et la parade de Campos. Toujours un partout dans ce match et les Norvégiens qui en cette seconde mi-temps se créent quand même pas mal d'opportunités. 82e minute de jeu, Leonardsen sur le côté pour Mini Jacobsen qui va aller travailler sur son côté, le centre tendu devant le but. Boinen qui va récupérer, c'est dans les bras de Campos qui va pouvoir relancer, longue relance à la main de Campos, c'est précis. Galindo, ouais, il va obtenir le coup franc. Allez, Benjamin Galindo, un ballon dans le paquet là-bas. Il a trouvé Luis Garcia, le contrôle et le but. Le but de Luis Garcia pour son doublé. Et peut-être les 3 points de la victoire pour le Mexique sur ce coup de pied arrêté. Le coup franc, Galindo, Luis Garcia qui récupère un amorti et là dans un angle compliqué. Il met ce ballon dans le petit filet, 2-1 pour le Mexique. Zagüe, toujours le centre tendu. Attention, Luis Garcia qui avait devancé tout le monde. Et on en restera là, 2-1, victoire du Mexique.
le groupe, B avec le Cameroun qui affronte la Suède. Oh, il y a également le Brésil et la Russie. Les Lions indomptables, donc toujours attendus dans les grands tournois. Roger Milla est sur le banc des remplaçants. Rentrera-t-il ? Sera-t-il le plus vieux joueur d'une Coupe du Monde ? Pour l'instant, l'attaque aujourd'hui, c'est Oman Vik. Et attention, car la première offensive suédoise est la bonne, avec l'ouverture du score pour Kenneth Andersson. 1-0, le jeu de tête du géant suédois qui fait mal. Regardez, une touche. Le bon décalage, le centre, et les plus hauts que tout le monde. Andersson, 1-0. Le Cameroun, surpris en début de rencontre. Attention, Thomas Brolin, pour Andersson. Andersson, le centre, et N'Kolo qui vient la choper, là, cette balle au-dessus de la tête de Martin Dalin. Allez, longue ouverture, va chercher François Mambi pour une réaction des Lions indomptables. Mambi, au retrait, c'est bien joué, la frappe de... Elle fait la reprise de Mouyémé, petit filet. La Stern, Martin Dalin, il est passé, Martin Dalin, son bien raté son tac. Martin Dalin, il avait la tête, le ballon en retrait. Moment de panique dans la défense camerounaise. Georges Tatav, le centre, la tête de Mouyémé, c'est à côté. Dalin encore. Dalin, le centre de Dalin, on cherchait encore Andersson, attention la reprise, le voilà, Kenneth Andersson. Andersson pour Thomas Brolin, Brolin qui va les défier, N'Kolo s'est bien repoussé par le portier camerounais. Match plaisant, des occasions de chaque côté, mais les Camerounais qui se sont menés malgré cette frappe de Mambi, et oui, ça passe à côté. À la pause, 1-0 pour la Suède, avec ce but marqué en tout début de match par Kenneth Andersson. Allez. Bon, c'est bien récupéré par Mambi, comme Mambi qui tente sa chance, la parade de Ravelli, les mains fermes. Roger Milla, il a fait son entrée, Roger Milla, bon, il va récupérer là face à Björklund. Oh, il est accroché, le pénalty peut-être pour le Cameroun. Ah, l'arbitre ne l'a pas indiqué. Ah, pourtant c'est litigieux sur Roger Milla. C'est un coup franc. Mfédé, la tête, c'est au-dessus. La tête. 58e minute de jeu. Le centre tendu pour la tête de Dalin. Dans les bras, la niche de Thomas N'Kolo. Jonas Stern. Attention à cette frappe de Mikael Nilsson. C'est à côté. Toujours 1-0. On est dans les arrêts de jeu. Et la Suède qui monopolise le ballon et qui tient les 3 points avec une frappe au-dessus. C'est terminé. 1-0. La Suède s'impose face au Cameroun.